pourrez rapidement les faire, les deux. Donc, domaine de définition, ici, on a une fonction polynôme. Donc, le domaine de définition, c'est R. La dérivée, donc, dérivée de x carré, c'est 2x. Dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Et la dérivée de 4, c'est 1. Donc, 2x moins 3. Le domaine de définition, c'est également R. La dérivée, elle s'annule pour x égale 3 demi, donc c'est 3 demi, et le tableau des signes, eh bien on va avoir quelque part ici un 3 demi puisque c'est là que la dérivée va changer de signe. On a une droite ici, si on la traçait rapidement, on a une droite qui est un peu comme ça. Donc qui est négative avant son 0 et positive après le 0. Et donc la fonction, elle va être décroissante et puis croissante. Donc elle est croissante sur l'intervalle, je rajoute ici les bornes, donc elle est croissante sur l'intervalle 3,5 plus l'infini, et elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3,5, et elle possède un maximum, non un minimum, au point de coordonnées 3,5, puis après il faudrait le calculer, f de 3,5 ça fait quoi, x carré plus 4, combien, 7 carré, alors. Je crois, oui. Le point 3,5, pourquoi est-ce qu'on l'inclut dans l'intervalle croissant et décroissant? C'est un point constant alors. Mais à partir de là, ça croît, et puis à partir de ça décroît jusqu'à ce point-là. Donc on peut l'inclure dedans. Si on part de 3,5 ici, on augmente tout le temps. Et depuis là, jusqu'à arriver à 3,5, ça diminue tout le temps, jusqu'à 3,5 inclus. Donc on peut le mettre. Donc là, c'est des parenthèses. C'est des fonctions assez simples. Exemple 5.2, donc le domaine de définition, c'est R, le domaine de la fonction, mais ici on précise un domaine de définition réduit. Alors, le domaine de définition ici, c'est moins 4, 4. La dérivée, c'est 3x carré. Non, c'est pas ça. 3x carré sur 3, moins 2x sur 2, donc moins x, moins 6. Et si on factorise, ça donne quoi? 2 et 3. Et puis on a un moins ici, donc plus 2 moins 3. De définition de f', ça va aussi être moins 4, 4. Il va être le même que celui de la fonction. Et puis ici, donc on a f' de x égale 0, en x égale moins 2 et x égale 3. Ici, moins 2, 3,
l'infini. Alors, la dérivée ici, c'est une fonction à x carré. Donc c'est une fonction qui a cette forme-là, qui est ouverte vers le haut, avec deux zéros ici qui sont moins 2 et 3. Donc elle est positive, puis négative, puis positive. Donc ça, ce graphique-là, ce serait une justification pour les signes que vous mettez dans le tableau ici. Une autre manière de faire, ce serait de faire vraiment le tableau de signes détaillé, donc x plus 2, x moins 3, f' de x. Donc x plus 2 ici, c'est négatif jusqu'en moins 2. X moins 3, c'est négatif jusqu'en moins 3. Et donc le signe du produit des deux, on l'obtient en faisant le produit des signes pour chacun des intervalles. Donc ça, c'est une autre manière de justifier. Ici, on peut justifier par graphique. C'est une fonction simple. Si vous aviez un cube, il faudrait plutôt passer par le tableau de signes. Donc les variations, une fonction qui est croissante, puis décroissante, puis croissante. Avec ici un maximum, et ici un minimum. Relatif. Donc la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, union 3, plus l'infini. Et puis elle est décroissante sur l'intervalle moins 2, et elle possède un maximum au point de coordonnées moins 2 quelque chose et un minimum au point de coordonnées 3 quelque chose. C'est quoi le quelque chose? Quelqu'un qui a fait le calcul? Regardez dans la solution. Ah oui, pardon. C'est juste. Voilà, je n'étais pas attentif. Ah, y a des gens qui suivent, c'est bien. Donc effectivement, puisque le domaine de définition, c'est moins 4, 4. Ouais, moins 4. Bien vu.